Hey yo les frérots, c'est Ruru, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les frérots. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends, forcément. J'ai eu du coup dans mes derniers tirages, pas eu ni de Gohan ni de Nappa. Par contre j'ai eu deux fois le Goku à extrême et du coup j'ai pu le passer 6 étoiles les frérots. Du coup dans ce showcase là on va aller le tester à 6 étoiles bien entendu dans une team saga film. Voilà forcément avec le Gohan, le Gogeta Blue, le Broly, deux Broly Zenkai 7. Et le Bojack que j'ai 8 étoiles depuis qu'il est sorti. Voilà, tout simplement pour la team, les frérots. Je pense que j'ai pas besoin de parler des persos. On va aller tester Goku tout de suite à 6 étoiles. C'est parti. Match-up très intéressant pour la première game contre une team Cyborg. Par contre, je pensais pas du tout qu'il allait prendre la C18 tournoi du pouvoir ici. Mais bon, celui qui voit. Ok, donc là, il décide de nous mettre directement la C18. On va mettre le Bojack ici. Forcément, je me doutais très très bien qu'il va mettre le C16. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas... Ouh, il a plus la TP ici. Je vais attaquer directement. Oh, fils de... Oh, 856. C'est éclaté au sol. La D. Oui, je suis chanteur à mes heures perdues, les frérots. Par contre, là, ce qui est chiant, c'est que j'ai l'impression qu'on fera jamais l'ultime avec notre Bojack ici. Jamais. Oh, la critique en plus qu'elle est en train de me faire ici, la saisie. Et ouais, bah non. Non, non, frérot. Pas du tout. J'ai pas changé de perso. Hein. J'ai laissé le Bojack ici. Ah, je me disais bien aussi. Oh, la D. Dis-moi, chez Skim. Pas du tout. Pas du tout. Tant pis, on n'aura jamais pu faire ici l'ultime du Bojack. Un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Faire la verte. On va esquiver directement. Oh, là on a bien entendu le pas de côté ici. Et on va... Oh, les gros dégâts ici du Gohan. Let's go, on met le Goku. On met le Goku ici. Et bon, dégâts du Goku non transformé. Non transformé. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en faisant le main, on va récupérer du ki, on va récupérer une pioche, on va augmenter nos dégâts. Donc c'est juste un gros délire ce qu'il peut apporter le perso via ses passifs tout simplement. Il est monstrueux. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on a eu 0 Dragon Ball. Vraiment, on a eu 0 Dragon Ball, les gars. Le délire. Forcément. Forcément, on va mettre le Gohan ici. Forcément, il va tanker les dégâts du C16, ouais, du C16 Zenkai. Que j'ai d'ailleurs Zenkai 7, je crois, bientôt. Hein. Là, par contre, je viens de faire... KO. KO de la C18 ici. Oh, directement j'attaque. Oh, bien sûr j'attaque directement. Blast. On va faire un maximum de dégâts. Et let's go, on va faire le RR. Il va peut-être mettre la C18 ici. Non, il va laisser le... Je pense que c'est une bonne idée qu'il laisse le C16. Parce que si le RR serait passé, on aurait peut-être certainement mis d'ailleurs KO la C18, Zenkai 7. Son meilleur perso hein, de sa team. Et gros dégâts, gros dégâts contre une grosse team cyborg, hein, bien étoilée en plus de ça, et on voit que la saga film elle est là, et puis le Goku qui... C'est un monstre, c'est un putain de monstre le Goku, tout simplement. Par contre là, ce qu'il est en train de me mettre, la C18, c'est très violent. Je suis pas sûr du tout qu'il ait fait l'ultime ici avec la C18 par contre. Donc là, se méfier, il l'avait pas fait. Il l'avait pas fait. On va blast directement ici. RR. Eh non. Parfait. On va mettre le Goku. Bon petit dégât du Goku ici, forcément. On va faire le main pour faire l'aspect derrière. Ah, joli tempo. Il a bien temporisé en face. Il a des... Ah là c'est la D là. Là c'est la D. Parce que je crois qu'il a pas fait le RR en face. Oh putain de salope. Oh la salope de 6-8. Le gars il m'a jamais tap attaque de toute la game. Il tap attaque à la fin. Normal. Et puis la 6-8 elle a une vitesse de pioche ahurissante. Étant donné que ça a changé de personnage. Ouais, et puis le RR. Force. Oh je suis dégoûté. Oh le délire. Comment je suis deg. Je vais faire une verte ici, mais bon. Mais bon. Ouais, l'aspect, c'est un délire. C'est un délire comment c'est...
Ce perso, il est incroyable. Le mec, il m'a fait une tape attaque, je m'y attendais absolument pas. Mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse quand même la game parce qu'elle était quand même très intéressante. On a vu la puissance de la saga film et également la puissance du Goku. Et malheureusement, je n'ai pas eu de chance. Je n'ai pas eu de chance dans cette game, mais c'est pas grave. On repart tout de suite pour une autre. C'est parti. Et oui, vous l'avez bien vu, deuxième game, Team Miroir en face, Saga Film également. Il est parti avec un vert par contre de ce côté. Forcément, il se doutait que j'allais prendre le logo quoi, forcément. Et j'ai pris le Gogeta Blue. J'ai l'impression que ça va commencer à camper en face. Le genre de gameplay que je n'apprécie pas du tout. Vous-même, vous connaissez, c'est pas grave. On va faire le main directement ici avec le Gohan pour gagner une verte très rapidement. Et là, j'aimerais bien tenter un petit truc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, dommage. Ça aurait pu marcher si j'avais anticipé du coup sa tape attaque au début. Mais malheureusement, je ne l'ai pas anticipé. C'est dommage parce qu'on aurait pu mettre KO ici la première barre de vie du Gohan directement. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a vite récupéré le Gohan derrière. Comme ça, si jamais il veut nous faire sa spé avec le Trunks qu'il fait actuellement. On peut mettre le Gohan pour largement tanker les dégâts, hein, même s'il va quand même faire ce... Bon, non, vraiment, il a rien fait. Il a rien fait du tout, le perso. Parfait, perfect dodge ici. Et là, let's go. Vas-y, Goku, montre-nous un petit peu ta puissance. On veut voir ce que tu vaux. L'aspect ici. Elle est stylée, celle-là aussi. L'aspect non-transfo, elle est vraiment stylée, je trouve, du Goku. Et même, je voulais pas vraiment perdre la... Voilà, parfait. Je vais dans son pas de côté. Alors, certes. Mais c'est un malade. Il me donne son Trunks. Non, on va pas se mytho, là. Il a clairement donné son Trunks. Pourquoi il a pas laissé le Gohan? Je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. On est en 3v2. On est très, très, très bien dans la game. On est toujours pas... On n'a pas perdu trop de vie encore au niveau de la team, on n'a toujours pas perdu également la première barre de vie de notre Gohan. Donc on est assez safe pour le moment, on est assez safe. non. Ok. Et 972, bien. Forcément. Forcément, quand je fais un bon clash, en face ça fait également un bon clash. Et là je sens bien l'ultime arriver, je sais pas pourquoi. Et là, tu sais très bien qui je vais mettre, frérot. Et oui, forcément, je vais mettre le Goku. On va largement tanker les dégâts du Bojack ici. Bon, pas de côté en face. On va un tout petit peu temporiser. Et il a vu que j'allais attaquer. Il a vu que j'allais faire la strike ici. Ah, GG! Il a fait une seule tempo. Je pensais pas du tout qu'il temporiserait comme ça. Je pensais je pourrais un tout petit peu temporiser ma deuxième esquive. En espérant que je puisse esquiver du coup son attaque. Mais ça n'a pas été du tout été le cas ici. Wow, les dégâts de l'aspect ici du Gohan. Parfait, je vais toucher. Mettre le Gohan directement. Le Goku. Forcément, on fait le main. L'aspect, et c'est la mort du Boja, parce qu'il n'a pas récupéré le Gohan encore. Et là, on est en 3v1. Là, on est en 3v1, on a Gogeta Blue, donc là, je pense que ça va être très, très compliqué. Bon, mais rien, mon Goku, pas grave, c'est pas un souci. Même si c'est le plus chiant, quand même. Le Goku, ça aurait été, je pense, pour le Gohan, le plus compliqué à tuer. Bon, même si le Gogeta Blue qui est en contre-type, forcément, contre le Gohan. Enfin, Gohan est en contre-type contre le Gogeta Blue, enfin... Vous m'avez compris, les gars, forcément. On mettrait pas KO la première barre de vie du Gohan ici? Si, totalement, c'est parfait. Ce qui est dommage, c'est qu'on a plus le main avec le Gogeta Blue. On aurait pu faire un petit élève, ça aurait été sympathique depuis qu'on puisse le faire ici. Malheureusement, non, c'est pas le cas. Et là... Là, j'ai la haine de pas avoir fait la verte. Mais bon, dans tous les cas, là, je pense que c'est terminado pour son Gohan en face. Bon, on n'a pas vitesse de pioche, là, par contre, c'est chiant. Quand même pas, non, ça c'est pire que ta patate, ça. Bon, voilà pour la seconde game. Gros dégâts de la team au complet, que ce soit le Gogeta Blue, le Gohan et le Goku qui nous a également régalé dans cette team, dans cette game incroyable. Et on part pour une dernière, c'est parti, les frères.
Dernière game ici les frérots, Team SSJ en face, intéressant, il a pris les deux végétaux avec le Badak certainement pour voir un petit peu la puissance que... Ah putain, je suis tombé, j'ai carrément zappé ici, et non, l'aspect ne passera pas malheureusement, j'ai été beaucoup trop lent encore une fois, je suis souvent trop lent dans mes mouvements sur le jeu. Bon par contre en face, ça fait des erreurs, on en profite nous de notre côté, et ça va qu'il tente quand même le SV. Enfin, le végétal non transfo pour le moment. Mais ça va qu'il tank. On va faire la verte ici. Ok. Ça fait vraiment que du full. Que du full pas de côté ici. On va faire la blast. On va break. On a break. Nickel. Et là, je veux quoi? Vas-y, régale-toi. Régale-toi, frérot. Fais tes dégâts. Terminé, plus de SV. Et là le Goku il se régale. Là le Goku dans cette game là il se régale par contre. Un délire. Est-ce que je ferais pas tapat une strike? Ah il l'a vu. Il l'a vu que j'allais strike. Par contre non, ça s'est pas joué du tout en face. Ça s'utilise pas bien du tout son personnage. Ça a pas du tout utilisé son main, le main du Végéto correctement également. Ah, enfin il a arrêté le double pas de côté. Bien. Et pourquoi il fait ça? Bon, je vais mettre le Gogeta Blue moi de mon côté. On va tanker hein, les dégâts du Badak ici forcément. Et vous savez quoi, on va avancer. Tap attaque. Et let's go. Pour terminer tout simplement son Badak ici. Sans trop de difficultés. Voilà. On va faire le main. Alors là frérot tu me régales. Là frérot tu me régales de ouf hein, par contre, parce que je te dispel et je te élève derrière et c'est normal. Non, forcément je peux pas élève là-dessus. En tout cas, gros dégâts après petite team en face, c'est pour ça qu'on part quand même pour une quatrième game les frérot qui sera la dernière. Cette fois-ci, c'est sûr à 100%. Let's go. Dernière game les frérot contre une team univers rival avec Lavados, double. Quel est le Caulifla et le Topo. Oh, ici on a le... C'est rare, hein. C'est très très rare que j'ai le début des matchs, moi. Où je touche. Bon, j'en profite, hein. Let's go. Il met le Topo, ok. Ah, il m'a bien entendu faire le pas de côté, là, par contre. Hein. Bien vénère. Bien vénère. Et là, je vais me prendre les dégâts du Topo. Il fait très mal. Et puis le Gogeta Blue n'est pas tanky du tout. Il est toujours aussi fort hein, par contre, même plus qu'avant. Ça va, c'est quoi, c'est un gameplay que je n'apprécie pas en face ou comment ça va se passer là? Ok, donc ça va full reculer, ça va full reculer pendant toute la game, génial, j'adore, super. Comme ça pour la dernière game vous allez bien me voir rager, bien avoir la haine, comme il faut. Donc ce genre de fumier là, qui fait que reculer. Parce que là pour le moment, début de game, il fait que ça. Il fait vraiment que ça. Par contre là, je vais mettre le logo, non, c'est mort. Je te laisse archi pas mon Goku ici. Elle mettra pas KO la première barre de vie du Gohan ici, ne vous en faites pas les gars, elle est pas assez puissante. Surtout qu'il me semble qu'elle est que 3 étoiles. Voilà, allez, nique ta race, je t'ai entendu faire ton pas de côté. Une verte. Ah ouais, mais forcément, casse les couilles là. Putain, il lag comme un chien le mec. Le mec il campe et il lag comme un chien. Oh merde. Il va tuer mon Gogeta. Il va faire le main, il va tuer mon Gogeta. Bah ouais, voilà, c'était sûr. Il est chiant ce perso. Oh qu'il est chiant ce perso, putain. J'ai la haine. KO. Merci Gogeta. Ah, il est pas KO ! Sans déconner ! Bah ouais, en même temps, le gars, il a eu le temps de l'avoir venir la tap attaque, hein, je suis mort. Mais regardez ! Allez, tiens, perfect dodge dans ta mère.
Bon, dégâts d'Hugo, quoi, c'est par contre. Hein. Okay, c'est un vrai plaisir de le jouer. Allez, mets-moi un autre perso, là. Mets-moi Tavados. Non, il va laisser son topo. Il va laisser son topo ici, forcément. Et il est pas con. Mais c'est pas grave. On va le forcer à switch. C'est pas un souci. Voilà. Bien Vados maintenant. Je récupère ma jauge de TP. Oh, fils d'up, putain. Ah bah là, ça va être compliqué hein, maintenant. Là, ce qu'il faut, c'est que je mette très très vite KO la colis flacaille. Très très rapidement, faut que je la fasse esquiver. Elle va reculer. Il va reculer. C'était sûr. Et là, je fais RR. Voilà. Non, 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 mais non, mais non. Il a eu la même idée que moi. Mais c'est pas vrai. Mais là, ça va être dur, là. Oh, quoique, non, ça va pas être impossible. Il a déjà lancé son RR. J'ai encore le main avec le Gohan. Donc, c'est pas encore fini. Et là, il fait des bons dégâts, Gohan, par contre. Et ça lag. Hein. Ça lag de ouf. C'est comme ça qu'il a... C'est grâce à ça hein, qu'il a mis KO mon... Allez, tiens, mange. Elle sera pas KO. Ah ! Elle sera pas KO, j'ai dit ! Ma bite ! Je l'ai enculé ! Allez, tiens ! Salut Vados, one shot ! Allez, gâteau ! Merci d'être passé ! Ah, je suis mort. Oh, le Gohan ! Ah, il vient de faire un... Il vient de faire un ban sans le Gohan, ici, là ! Oh, le délire ! Oh, le... c'est pas Goku, mais... Allez, 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 merci la zone, hein. Et merci la zone. Un campeur de merde, va, putain, star. Elle a été riche en émotions, cette dernière game. J'espère que le showcase vous aura plu, les frérots. Gros, gros plaisir de ma part de vous avoir fait ce showcase, la saga movie avec le Goku 6 étoiles. Et vous voyez que le Gohan Revive 3 étoiles, c'est juste une dinguerie. J'ai pas les mots, il est incroyable ce perso. En tout cas, les frérots, ouais, vous voyez que je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant, beaucoup moins de lives. C'est très compliqué avec mon nouveau taf. Là, il est actuellement 20h24. Voilà, je vous tourne le showcase pour qu'il sorte voilà, demain matin, donc le 2 octobre, quand vous regarderez cette vidéo-là. Et voilà, c'est juste très compliqué pour moi. Ça, c'est fatigant, je rentre des journées, je fais des grosses journées. Donc voilà, comprenez-moi les frérots que je sorte moins de vidéos, s'il vous plaît. Encore désolé pour mon absence, pour mes absences, voilà, un petit peu répété ces derniers temps sur YouTube. Mais vous en faites pas, je suis toujours actif, je suis toujours là. Moins actif, certes, mais je suis toujours là. Et c'est un grand plaisir de vous faire encore des vidéos et des showcases de cette qualité-là. J'espère que vous avez quand même kiffé. Les frérots, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien entendu. À commenter et puis à partager pour donner un maximum de force. Sur ce, les frérots, passez une très 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 bonne journée. C'était Ruru et ciao.